ça, en général, souvent les problèmes des interprètes, ils disent juste que l'artiste dit, et puis après, traduisent pas à l'artiste ce que les animatrices disent. Okay. Alors, on a eu ce problème-là récemment. Okay. Donc, on a vraiment tout lui traduire. Okay. Et donc, on est en direct aussi à la télé, sur MCI, donc... Okay. Don't go. No. No, it's fine. Don't go. No, no, take. I'm going. Wait, I'm here. I will go out. Oh. What is about hotel? Oh, Saint Benani, good morning, my people. I love you so much. I know someone once said, why are you saying my people? You're my people because I love you so much. I know you love me. You always have my back. Please vote for me for the song of the year. Please. 33-365, you SMS Ingoma. I love you. I love you. Don't go away. I'm going to do an interview here. Nostalgic here in Ivory Coast. So stay tuned. Still more to come. Yeah. Interview with, what's your name? Gliss. Gliss, my name is Gliss. So vote for Nontebo for the song of the year. I'm so happy to see her. I'm also happy to be here. Il fait un direct en fait sur sa page, donc je lui ai dit de rester là, mais apparemment il a oublié. Et voilà, faut qu'il reste vraiment dans le coin là, pose la caméra. Non, I was just doing something, I'm here. Ça va et toi? Ouais. Mais c'est un masque. Maintenant. You must play that song. Oh. À moins que vous n'ayez été coupé d'internet ces 7 ou 8 derniers mois, vous n'avez pas pu passer à côté de cette chanson. Le tube mondial signé Nontebo Zikode. D'ailleurs, sa carrière est en plein boom grâce à cette chanson. Elle est devenue en très très peu de temps l'une des artistes les plus recherchées en Afrique du Sud, en Afrique et dans le monde entier. Elle a réussi à captiver les fans du monde
avec cette voix électrisante. Et ce matin, c'est avec un honneur, un plaisir inouï qu'on recevoir, qu'on va recevoir Nancy Bozy Kone. Thank you so much. Thank you for having me. Boom. We're so happy. I'm so happy to be here. Thank you so much, Nostalgie, for having me. Like, I feel like I'm blessed, guys. Thank you. Merci, blessed Nostalgie, too. De me recevoir. Je me sens très heureux. Je me sens même béni d'être en votre présence. Merci. Are you surprised of the effect of Jerusalem in the world? Yes, I am surprised. Even today, I'm still surprised, man. Like, you know, when I was asking God on my prayers, I remember I used to be like, God, please help me to become a big musician in South Africa. I didn't know that God can actually make it the whole world. So yeah, God is amazing. Bien sûr, je suis très surprise de l'effet qu'a pris Jérusalem dans le monde. Parce qu'à la base, quand je concevais cette chanson, je disais au Seigneur, Seigneur, je t'en prie, aide-moi à être une sud. Mais je n'attendais pas à ce que ce soit en dehors de l'Afrique du Sud. Donc, effectivement. Tell us the condition where you wrote the song. When I wrote the song, I was actually not I was not happy. Hence, the song is saying, God, take me to a happy place. My place is not here, but my place is in Jerusalem because I wanted to be in a happy place. Quand j'ai écrit cette chanson, j'étais dans un état très triste et je disais au Seigneur, Seigneur, aide-moi à travers cette chanson, bien sûr, aide-moi à me retrouver dans un lieu paisible, plus joyeux, où je peux retrouver un peu plus de joie. Et qu'est-ce qui explique cette tristesse dont elle parle? What explains this sadness? Ah! No, man, it was just music, because you know when you want something so much and it doesn't come. So I wanted to sing so bad. I wanted God to help me so that my voice can be heard all over South Africa. So I was so frustrated. You know when you want something, maybe you want to be a singer or you want to be an actress or whatever that it can be. So I was not in a happy place because the only job that I wanted to do is music. I didn't want to go to maybe ShopRite or to go wherever. So I was just asking God to help me to fulfill my dream. Alors déjà, cette frustration, c'est d'abord la musique parce que c'est très frustrant quand vous attendez quelque chose et que ça ne vient pas. Voilà. Donc après, c'est plus ce sentiment-là qui l'a habité en termes de tristesse. Because I've been trying so many years, as I started as a baking singer for more than 15 years. And you know, when you like, you're busy telling people that I can actually do this, give me a chance, I can. But you find that doors are closed, like doors are not open for you. Après, tu sais que tu as les capacités de pouvoir atteindre de grandes choses. Et ce n'est pas facile de pouvoir passer d'un état de simple artiste à l'état de big star. Donc c'est clair que c'était une étape qui était vraiment frustrante pour moi. C'est surtout à expliquer qu'elle a été choriste pendant 15 ans quand même. Oui, bien sûr. Et ça, c'est vrai que ça peut être super frustrant de savoir qu'on a une voix aussi puissante, aussi forte, et d'être derrière des stars. Moi, j'ai envie de lui demander tout simplement, non, c'est beau, comment est-ce qu'on peut avoir une voix aussi magnifique et accepter d'être derrière les gens? Est-ce que c'était facile cette période-là? Et comment tu fais justement pour pas qu'on te remarque? Je veux dire, tu chantes à côté de quelqu'un tout de suite, on te remarque avant la personne. Ok. What do you do? How can you do? Because you have a big, real, awesome voice, and because during this moment, okay, they don't know you. How can you do? Because you have a real voice. Your question is not clear. So, how did you manage? So, how did you manage? Because you have the awesome voice. Yes. Okay, you sing very well. Yes. So during this year when you were 30, okay, how did you do? Because people didn't know you. Because you say you were 30 during a period. I wonder, how was it easy for you to sing behind somebody else because of your voice? It wasn't easy, but what can you do?
like I had no choice but to be a backing singer at that time, even though I knew that actually one day I'll be at the front, because I knew that I am a good singer, but then it was not easy. So I then started with there's a song I did with DJ Kanyan at home. It went very big before Jerusalem. It even get big in countries like Botswana, Zimbabwe, you know, those countries that are near South Africa. So yeah, Jerusalem is not my first song to become big, but then with Jerusalem, it went worldwide. Like white people, Indians, everyone is jamming to Jerusalem. Alors, c'était déjà, c'est tout à fait normal d'être, parce qu'à la base, je suis derrière de certains artistes, je suis considéré comme petit artiste pour le moment. Voilà, donc après, avant Jérusalem, il y a eu un premier titre qui a été fait, voilà, qui a eu un grand succès. C'est quoi le titre? The name of the title. Which song? Yeah. Before Jerusalem. Emma Zulwini. Please do check it out. It's an amazing song. Okay, I will. Yeah, yeah, please. Also, to check my album. I've got a beautiful album. It went... He told me. Triple Platinum. My album in South Africa. It went Triple Platinum. So please do check it out. There are beautiful songs there. They like... Mayabusa Band! That's one of the songs that you'll find in the album. Also, when nobody jabulo, baba zobuhle, get you corn in the, and of course the one that you were playing there in the background. So please do check it out. And people on the second where I'll be performing, they can expect those songs on the album. It's not only Jerusalem. I know some of you, they only know Jerusalem. So there are so many songs that you can jam with. Il y a plusieurs chansons sur lesquelles vous pouvez m'attendre parce qu'elles sont vraiment exceptionnelles. Et bien sûr, il n'y a pas que Jérusalem qui est la chanson que tout le monde a connue. Il y a beaucoup de chansons qui, avec différentes prestations, vous pourrez vous attendre à beaucoup plus de monde. Qu'est-ce que ça représente une telle collaboration sur Jérusalem? Qu'est-ce que ça représente pour toi? For you, what's the meaning of this collaboration on Jérusalem? What's the meaning of the collaboration? You and Master KG. Yes. I thank God every day because it's actually him who gave us that mind of maybe doing something together. It's not us. Like, honestly, there's no meaning for it. It's just God. He's the one who gave us such a big song, because I know that there's so many artists who will want to have such a big song, but God chose me and him to have such a big song. Okay. Après, ce n'est pas nous qui avons fait grand chose, c'est juste Dieu qui permet cette collaboration et qui connaît mieux le son des choses. Alors, c'est vrai que c'est grâce au titre Jérusalem qu'on t'a connu dans le monde, mais tu as acquis cette notoriété il y a bien longtemps de cela. Tu as été repéré quand tu étais beaucoup plus jeune dans une émission de télé. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ce que c'était cette aventure-là? C'était la télé nationale, mais comment c'est arrivé? C'est maman qui t'y accompagne, c'est la télé elle-même qui te découvre. Before Jerusalem, when you was young, sorry, you were young, sorry. People discovered you on the TV at the show. Can you tell us about that? People call the first show. The first show when you were young, before Jerusalem, because people found you on the show onto the TV. In South Africa. There's a misunderstanding here. Okay. You said on the TV. On the TV, on radio. On radio. Yeah, okay. That is why I'm confused. Okay. Oh yeah. I was actually not really on the radio. The radio announced that there are auditions. So I went there. The person who was doing those auditions is actually Tepon's Monday. Announced those auditions at Ukhozi FM. Fortunately, I won those auditions. That actually the one who can that I can say
they make me to become the notable I am today, because of those auditions, I end up being the backing singer of Lundi, Sfiso, Deborah Fraser for more than 10 years. And then after that, I got a chance to become a backing singer for Nhlanhla Nciza, Mafikizolo, also Zahara. And then fast forward now, Nomcebo Zikode. Il faut dire qu'à la base, il y avait une audition à la radio, c'était une radio, et à la suite de ces auditions, j'ai pu être retenu, et à la, j'ai heureusement remporté la compétition, et par la suite, cette radio, cette opportunité a fait de moi ce Nocebo aujourd'hui que je suis, et ça m'a donné l'opportunité de collaborer avec de grands noms de la musique en Afrique du Sud, dont Zahara aussi. Ouh, Zahara, on adore Zahara ici. D'ailleurs, elle est passée ici. Ah, c'était un très très bon concert. Tu es né loin des paillettes, des projecteurs. Tu es né dans le township de Epumalanga, près d'Urban en Afrique du Sud, un quartier pauvre. Symboliquement, qu'est-ce que tu représentes aujourd'hui avec ton succès mondial pour ta communauté? You, okay. You were born in the township in South Africa. So it's generally it's area under of that people were generally poor. So today, when you become famous, so what's that meaning for you, means for you? It means so much. This is to say to people that are listening here right now, to the kids that are from the village, or maybe they from a not good background, maybe they are, like they are poor or something. This is to say to them, there's nothing impossible. I've done it myself from a poor family. I've done it myself from from a small village. And then you can also do it yourself. What you need to do is to stay away from drugs, focus, and try by all means to do something positive, something that your parents would be proud of you, the nation would be proud of you. Ça représente beaucoup pour moi, puisque étant quitté dans un milieu pauvre, voilà, aujourd'hui, c'est aussi un message que je lance à toutes ces personnes dans ces lieux-là, pour leur dire que rien n'est impossible, on peut arriver à des choses grandes, il faut juste rester concentré. La question, c'est plus qu'elle représente maintenant aux yeux de sa communauté, parce qu'on sait que là-bas, pour toutes les personnes qui sortent des townships, c'est super difficile de réussir. Alors, quand une star est érigée, quand elle sort de ce genre de milieu-là, c'est vrai qu'il y a tout de suite un sentiment assez particulier. Parce qu'aujourd'hui, on l'érige comme une icône, voilà, aux yeux de sa communauté. Est-ce qu'elle est aujourd'hui un modèle de réussite, quelqu'un à qui on a envie d'identifier, par exemple? How does the community where you come from, okay, looks you today? They love me so much. They are so proud. Honestly, they are so proud. There's a lot that I wish, if God can give me like power, or I don't know, like there's a lot that I would like to do for them. They are always behind me, trust me. If I get in a shop, I know that they will close the shop and shout at me, like, you know, that happiness. So yeah, they love me so much. Just shout in a good way though. Okay. Yeah. Ils m'apprécient énormément, ils me soutiennent. Et même des fois, quand je me retrouve dans des magasins, ils sont prêts même à fermer le magasin et puis commencer à chanter, à me faire des éloges et tout ça. Donc, je prie le Seigneur qu'il me donne la force afin de pouvoir leur rendre ce bien qu'il m'a apporté. Bon, alors, il y a eu la chorégraphie qui est devenue virale à travers le monde. Mm-hmm. On a vu pas mal de personnes faire des chorés, les policiers qui dansaient sur la musique au Cap. Tu as vu celle des moines en Soudane, ça y est, je vais te compliquer la traduction. Il y a eu celle des soignants en France, des militaires au Ghana, des pompiers en Turquie, celle de Cristiano Ronaldo, de Janet Jackson. Bref, quelle est sa préférée? Est-ce qu'elle a vu toutes ces vidéos? Quelle est sa préférée? Et franchement, quel sentiment on a quand la sœur de Michael Jackson danse sur sa chanson ou sur Cristiano Ronaldo? You know, but during the Jerusalem challenge, many people did this. We got religious, policemen. Even Cristiano Ronaldo, Janet Jackson, okay, the GT. So, how did you feel when you see it? Did you see all the videos? Yes, I did. Not really, maybe all, because every day it's the most popular. Yes, I did. What was your favorite?
You know, to tell you the honest truth, I see this one today, I'll be like, this is my favorite. Yeah. Tomorrow I see another one, I'll be like, no, 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 I was wrong. Actually, this is my favorite. So yeah. With those challenges, honestly, I doubt that I'll ever have the favorite, because like all of them, they're amazing. Some of them, they make me cry because of joy. I'll be like, oh my God, these people, they're doing this challenge and it's raining. I remember they were other guys, they were doing it in Madagascar and it was raining. So almost all of them, they're amazing. Hence I'm saying that the joy that they give me, sometimes I cry. I'll be like, oh God, is this really for me? Like, these people are enjoying my voice, like the song that I wrote. So this is amazing, honestly. Bien sûr, c'est formidable. Et il faut dire que je n'ai pas pu voir toutes les vidéos, bien sûr. Mm-hmm. Voilà, parce, et après, pour ce qui est des vidéos favorites, aujourd'hui, je peux regarder une vidéo et me dire, waouh, ça, c'est ma vidéo favorite. Et demain, j'en regarde une autre et je dis, waouh, c'est ma vidéo favorite. Donc après, je ne peux pas faire de choix. Et après, c'est vraiment touchant quand vous voyez des personnes qui, même par exemple à Madagascar, qui se sont mis à faire le Jerusalem Challenge pendant sous la pluie, et c'est vraiment touchant, et pour moi ça représente beaucoup. Il y a cette chanson là, la même chanson qui a été reprise avec Born Alive, comment se fait la collaboration? How did you do the collaboration with Born Alive on Jerusalem? He actually called the company that he would love to be part of the song. And then he did the voices where he was at. I don't know, maybe he was in Nigeria or wherever he was, and then sent the voices to Master KG, and then they combined our voices. And then, yeah, it was done just like that. Alors, Burna Boy a tout simplement contacté mon label, voilà, et par la suite, puisqu'on n'était pas dans le même lieu d'où il était, il a juste posé. Ils ont fait ce qu'ils font naturellement. Voilà, naturellement, il a posé les voix et il l'a envoyé juste à sa part. Et voilà, la collaboration était faite. Est-ce que vous connaissez avant Burna Boy? Did you know Burna Boy? Yeah. Before the... Yes. I knew Burna Boy. What do you think about his music? He's amazing. Honestly, he's amazing. Who doesn't love Burna Boy? you saw even on Jerusalem, trust me, he did wonders. Boro, 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 internari, boro, boro. So he's amazing. Bien sûr. Je connais Burna Boy. Qui peut ne pas connaître Burna Boy? Il est vraiment exceptionnel pour l'artiste. À côté de Burna Boy, est-ce qu'il y a d'autres artistes de sa trempe, hein, des artistes internationaux de ce calibre-là qui l'ont déjà contacté, histoire de faire d'autres collaborations? On parle Burna Boy. Did some other artists quote you for having a collaboration with you? Yeah, they did a lot, but honestly, I didn't want to focus on that because I wanted to create Nomcebo alone. Hence, I did my album right after Jerusalem. I wanted to just move away from features, just concentrate on Nomcebo's album. And then after, I'll then do the collabs. You know that I don't want to do them. I want to do them in the near future, but I wanted to create myself as a brand. Bien sûr, il y a eu beaucoup d'appels pour des collaborations, mais je préfère plus être concentré sur mon album, voilà, donc pour ne pas être dispersé. Mais après, dans un futur proche, on pourra envisager des collaborations. Nomcebo a été désigné, sinon choisi. En tout cas, il a été élevé comme ambassadrice par le ministre des Arts et de la Culture en Afrique du Sud. En fait, ça consiste à quoi exactement? Ok. You have been nominated in South Africa by a minister. So, what is the function, the real function of that as ambassador, as an for? Oh, yeah. I'm an ambassador to the world, yeah. And the arts and culture. Yeah. I thank God for that. I never thought one day this is actually going back to say. Who knows that just Nomcebo from the small village will be an ambassador? I love the way you say Nomcebo. I also love the way you talk. Oh my gosh, you two guys, like all of you actually. Yeah. Your language is amazing. Like, I wish for some, I don't know, like, God help me, I want to learn this language. So sexy. Yeah, but going back to your question is that, I am an ambassador now to the world. There's a lot that I'm still going to do.
I'm so happy. I never thought that one day just a young girl from the small village will be an ambassador to the world. This is to say, actually, nothing is impossible. Yeah. Never look back in life, and where you come from doesn't matter. What matters is where you're going, is where you're heading. Alors, je suis bien sûr nommée ambassadrice par le ministère de la Culture. Voilà. Et bien sûr, pour au-delà de ça, pour moi qui suis une enfant du township, c'est vraiment quelque chose de super d'être ambassadrice. Voilà. Et aussi pour rappeler une chose qui est importante, c'est que rien n'était possible. C'est la preuve que tout est possible en fait. Alors, Nantsebo, ça veut dire quoi dans ta langue? Je sais que c'est le proverbe. Money. Wealthy. I think the name is following me. Hey, wealthy. Franchement, ça va te suivre. J'ai rapidement une dernière question avant la suite. Hein. Tu chantes Jérusalem. On a parlé de tout sauf de Jérusalem. Est-ce que ta chanson a eu cette répercussion là-bas? Quels sont tes rapports avec les gens de Jérusalem, les Juifs, qu'est-ce qu'ils en pensent et tout? Ok. You're saying Jérusalem. Ok. So, what's the relationship between you and the people of Jerusalem, the real Jerusalem? Yeah. Actually, we received a challenge from people from Jerusalem sending back their love from us, witness the KG. Also, I received calls, and I need to do a follow up on that. It's a bit, I've been busy, that we are being invited to go there. So very soon, guys, you.